Salut à tous, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et en particulier ben aujourd'hui on est le 30 décembre. Il fait encore assez doux, il y a un beau soleil sur la Provence et donc je me suis intéressé à mes salades. Donc ici on peut voir les salades qui ont été pour la plupart déterrées parce que vous voyez elles étaient toutes à l'ombre et toutes. En plus, l'ombre était accentuée par les choux, puisqu'au départ, on les a plantés au milieu des choux qui étaient minuscules. Les choux augmentant, évidemment, les salades restent à l'ombre et donc poussent moins vite. Donc, du coup, il y a eu un petit déplacement. Ici, on en a laissé quelques-unes quand même. Mais ensuite, on est allé mettre des salades, par exemple ici. Voilà. Ou encore là. Histoire de leur donner un petit peu de lumière supplémentaire ici aussi et enfin là. Donc ça c'est la première salve, c'est des salades à couper, donc il suffit juste de couper les feuilles et ça repart en plus, donc c'est quand même assez pratique. Et puis également on a j'ai refait un tout un carré ici. Alors donc là il y a différentes choses, je passe sur mon ombre, voilà. Et là un nouveau carré qui a été fait avec plein de petites salades. Voilà. Donc sont là, il y a une cinquantaine de salades qui étaient encore sur mon balcon que j'avais pas eu le temps d'installer. Voilà, donc arroser avec une fois que je les ai installées hors des godets, arroser avec de l'eau et puis j'ai mis un petit peu de j'avais du purin de tomates qui avait bien fermenté, donc j'ai mis un volume de purin de tomate que j'ai dilué dans un arrosoir. Et on va voir si ça fait du bien à cette terre qui, à cet endroit-là, est quand même assez pauvre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le petit topo sur les salades.